Je suis Ousmane Nakoulma, élève au lycée municipal de Manga. Je passe en classe de terminale. Je le dis avec fierté parce que pour beaucoup de gens qui me connaissent depuis longtemps, cela est à peine croyable. Quand j'avais 2 ans, j'ai été victime d'une maladie de l'oreille appelée otite. Mes parents ont essayé de me soigner par la médecine traditionnelle sans succès avant de se tourner vers la médecine moderne. C'est en 2012, quand je devais passer le certificat d'études primaires, que j'ai commencé à avoir des difficultés à entendre. Il fallait crier, sinon je n'entendais rien. J'ai échoué à mon examen cette année-là. Mais je n'ai pas baissé les bras. L'année suivante, j'ai réussi, mais avec beaucoup de difficultés. Une fois au lycée, le problème est devenu plus grave. À l'école, j'étais toujours isolé parce que je n'entendais pas bien les causeries. C'était difficile. Les choses ont commencé à changer lorsqu'en 2016, j'ai été dépisté et inscrit dans le programme réadaptation à base communautaire dans le volet oreille saine et droit à la communication soutenu par CBM Burkina. Un spécialiste m'a examiné et j'ai bénéficié de prothèses auditives en 2017. Ce petit appareil a changé ma vie. J'entends beaucoup mieux et je suis plus épanoui. Je ne me sens plus à l'écart. J'ai retrouvé mon cercle d'amis et mes résultats sont devenus meilleurs. L'année prochaine, je vais passer l'examen du baccalauréat. J'espère être admis et pouvoir m'inscrire à l'université. Je ne suis pas un cas isolé. J'ai entendu parler de Seydou Dipama dans le village de Nobéré. Il a 15 ans et est devenu sourd-muet à la suite de la méningite. Seydou était aussi obligé de s'isoler. Mais le plus dur pour lui, c'est que ses parents avaient perdu tout espoir jusqu'à ce que son chemin croise celui d'un agent de la RBC il y a 4 ans. Celui-ci a sensibilisé les parents de Seydou pour qu'ils comprennent que la surdité ne devrait pas empêcher à leur enfant de se réaliser et de vivre épanoui. C'est ainsi qu'ils ont accepté d'inscrire Seydou à un atelier d'apprentissage en mécanique. Son maître d'atelier est lui-même malentendant. Seydou est épanoui depuis son intégration dans l'atelier. Il y a aussi Mohamed Compaoré qui habite Niaogo. Mohamed est atteint de surdité à la suite d'injections à l'âge de 2 ans. Il a également des difficultés pour marcher. Il a eu la chance d'aller à l'école des sourds à Burkina Faso, mais par manque de moyens, il a cessé les cours au CP2. Mohamed a rencontré CBM en 2017, qui lui permet aujourd'hui d'apprendre le métier de son choix, à savoir la couture. Nous sommes la preuve que tout est possible. Je suis optimiste pour mon avenir, ceux de Seydou et Mohamed, et pour toutes les personnes vivant avec un handicap auditif. Thank you.